Je suis le tout quoi de fou. Il ne comprend pas pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il au mangeur de la grande nuit d'accomplir son œuvre cannibale. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. La nature authentique, l'Africain, nous parlons des origines de la création, nous parlons aussi du berceau de l'humanité, nous parlons de l'homme en tant qu'homme, mais nous parlons de Dieu. Toute chose a commencé en Afrique. L'écriture est née en Afrique. Le fer a été découvert en Afrique, en Égypte. Ah, l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Oui, l'Afrique, mesdames et messieurs, l'Afrique est toujours l'Afrique, un continent détesté. Non, le contenu du continent, c'est les Africains. Mais les Africains sont-ils aimés? L'Afrique, en tout cas, l'Afrique est aimée. L'Afrique est chérie, car il y a des ressources africaines. L'or, le diamant, le pétrole, le manganèse. Autant de richesses dans le sous-sol. Mais sur le sol, on n'en parle pas. Il y a le café, il y a le cacao, il y a les BA. Eh bien, tout pousse en Afrique. La nature s'exalte selon la volonté de Dieu. Mais l'Africain a-t-il pris conscience lui-même de la richesse que Dieu lui a donnée? Hélas, non. Mais les autres en savent des choses. Ceux de l'Occident savent la richesse que possède l'Afrique. Mais comment justement l'Africain peut-il jouir de l'Afrique? Ils disent aimer les Africains. Mais c'est plutôt l'Afrique qu'ils aiment et non les Africains. Prenons conscience dès à présent à travers cette pandémie du coronavirus, à travers le Covid-19, prenons conscience, nous Africains, que nous devons nous lever comme un seul homme pour enfin être cités dans le Conseil des Nations. Mesdames et messieurs, ils sont nombreux. Dans le football, il y a eu Pelé. Dans le basketball, il y a eu Michael Jordan. Dans la musique, il y a eu Michael. À la mode, il y a eu Naomi Campbell. Et nous avons cité également dans la boxe, Mohamed Ali, ils sont tous africains. Malcolm X, ils sont tous africains. De grands noms en Afrique. Et Dieu le voulant, il en aura encore d'autres. L'Afrique représentant le cerveau droit, c'est-à-dire la spiritualité et l'art. Et c'est ainsi que nous avons trouvé Kegebo. Kegebo Seydou, un Africain pur et dur, qui a retrouvé et qui, ma foi, exalte la tradition africaine. Avec lui, nous allons découvrir l'Afrique dans ses méandres. Kegebo Seydou pour vous, là maintenant, dans le cadre de 6e sens. Show Docteur. Et mesdames et messieurs, nous sommes en plein dans les visions nocturnes, dans 6e sens. Le 6e sens, qu'est-ce que c'est? L'homme a 5 sens. L'oreille, le narine, les yeux, la bouche, le toucher. Sens. Mais le 6e sens, c'est le 3e œil. Mais quand on parle de vision nocturne, c'est celui qui voit dans la nuit, même dans le noir. Vous avez des yeux infrarouges. C'est ça, vision nocturne, 6e sens. Je vous ai fait la définition aujourd'hui. Nous sommes avec Kegebo Seydou, qui est un homme de la nature, mais qui hérite de ses ancêtres la tradition africaine. L'eau, le fleuve Komoé. Il a hérité de sa grand-mère la connaissance des vertus des plantes.
Il va nous présenter quelques plantes. Kegebo Seydou. Oui, nous ne manquons pas. Il va me montrer des plantes. En cas, on peut pas manger mes fleurs, mais tiens, dis mambo. On m'appelle Kpandi. Niyabaka Iwaka. Oui. Cette branche. Niyabaka Niyaf. Regardez cette arbre d'écorce. Baka mobo dinwa be fleyi ndre fufu. Le bois que vous voyez à dentier, ça s'appelle ndre fufu. Voilà. Ndre fufu ni oti baka bot kikero. Ndre fufu, c'est un bois qui est dur. Temoko dina ka kon. C'est manzonu on dina ka fufu le kon. Oui, quand il se met là ici, si c'est pas au bord de l'eau, s'il n'y a pas l'eau quelque part, il reste plus. Oh, tu peux pas le trouver. Oti baka bo mo moyo. C'est un bois qui donne la chance. Quand il se présente là, il veut qu'on dise tout son nom. C'est Okoyaso. Ah, quand ça va arriver? Oui. Le bois dur qu'on appelle Kpangi. Kpangi! Comme il veut ce bois là, André Foufou, il veut qu'on dise son nom. On m'a Kpangi Wurukun. Kpangi va rentrer dedans. Quand il finit de rentrer à l'intérieur de ce bois-là, toutes les années qu'il va vivre sur ces terres, ah, lui, il ne peut plus mourir. Un autre bois ne peut pas rentrer dedans. Le bois qui s'appelle Django ne peut pas monter dessus encore, il va descendre. Il n'a pas dit que Django n'est pas fort. Il y a des bois que Django peut monter dessus, c'est deux. Mais Bakabo be fré, Bobambodou man, Ndre Fufu là, c'est seulement Kpangi. C'est Kpangi qui rentre dedans. Si tu as Ndo, tu connais Ndre Fufu. Et tu as Ni ici. Si tu es Baoulé, si tu as Ni, tu connais Ndre Fufu. Et tu es exploitant forestier. Les exploitants forestiers connaissent. Mais c'est qu'à Bakaka, Benyang Bengbe. Il y a des bois qu'on ne peut pas couper comme ça simplement. Même quand son eau sort là, tu vas fuir. Et toi, tu t'y as iré. Tout ça, c'est médicament. Ibo. De la racine. Regardez ce qui pousse en bas. Regardez. On dirait que c'est les esprits qui ont déposé là pour nous. Regardez. Gros plan. Ni aïssa. Regardez sa main. Regardez ses deux mains. Regardez ses deux pieds. Elle est 5 ans, quoi, tout, mais. Kegebo, il bouille le cas. C'est Kegebo qui est là même. Kegebo, c'est Idou. C'est Némon, c'est Klangusmo, ou une des têtes. Si il veut présenter trop de choses, ça va créer des problèmes. Regardez là. Regardez en bas. Ce qui sort. Ça dit, tu as mis un tressa. Tout ça, c'est des miracles de Dieu. Niakabo, c'est famille où il y a des fafoufouyamou. Cette feuille qui est là, quand un roi est décédé, quand un roi est mort, il est parti, on prend ça pour te nettoyer, pour te laver. Regardez ces plantes à côté de Ndre Fufu. Regardez les plantes, regardez les fruits. Oui, cette plante-là. Même quand c'est la sécheresse, quand il pleut, il y a des fruits, quelle que soit la saison. C'est comme citron. L'eau ne finit jamais dans le citron. Même quand une femme ne fait pas d'enfant, si tu te confies à moi, tu auras des enfants. Il dit, c'est moi qui suis l'homme, c'est Dieu qui le dit, et je peux te changer en homme. C'est pas parce que tu veux voir, mais tu peux devenir un homme. Mais de ma racine jusqu'aux feuilles, je suis médicament. Je suis puissant. C'est la plante qui parle. Je le fais moi-même avant de vous faire. C'est pas faux. Un sorcier qui dit qu'il est puissant. C'est le roi qui est mort. Il a failli à Christophe Louis. Il est deux sous nous. Il faut aller voir comment on est. Ah,
Le sorcier qui rentre chez toi, qui est prêt à te tuer, il va te parler. Il va tout avouer. Eh bien, baka kainya, on est loup. Si tu te laves avec les écorces et les feuilles de cette plante. C'est la sorcellerie au bloc, il m'en est beau. Si il y a de la sorcellerie dans ton travail, tu vas voir le fond. Tu vas voir les nouvelles. C'est tes mêmes là bien gay wimbo. Si c'est pour ça que tu ne peux pas te marier, tu sauras. C'est tes mêmes ce qui est wimbo. Si c'est pour ça que tu ne peux pas trouver d'argent, tu ne peux pas être riche, tu le sauras. C'est tes mêmes au mangou mais nouvelle la mode moi wimbo. Si tu te laves de cette plante et que tu vois que tes amis avancent et que tu es en retard, tu le sauras. Manka bien moi pour dire là pour prendre au biaho. On les gros mais faille sur mais Fabien. C'est pas n'importe quel moment je lave avec. C'est pas parce qu'il a dit ça que toi tu es venu découper pour aller te laver comme ça. C'est pas ça qu'il va faire. Parce que tu as vu ça aujourd'hui, tu viens découper, tu vas faire des enfants. Vous voyez ces deux plantes, Ndre Fufo, et cette plante à côté, avec ces fruits que vous voyez. C'est pas par hasard qu'ils sont là, mais il y a Pangi dedans. Pangi. Oui, c'est un puissant fétiche, mais il tue pas. Aujourd'hui que vous connaissez Kedjebo, viens le voir, demain tu vas sourire. Tous les problèmes. Au foyer, nous dans ton foyer. Au dimanche, nous dans ton travail. C'est nos indouas ans. Oui, tu bois, tu ne peux pas arrêter. Et puis, Kodiman, il faut faire bien sûr. Tu vas au travail, on s'amuse avec toi, on plaisante avec toi. Tu prends comme ça, fait rien. Diplôme ou ordonné dimanche. Tu as diplôme, mais tu n'as pas de travail. Diman, et joyeux, est-ce que c'est bon? Viens le voir, il sait de quoi il va te parler. Moi, et Sran. Demain, tu seras un homme. Et même mon femme, il est bon quoi tout. Il t'a présenté, il s'est présenté aujourd'hui, il s'est révélé à toi. Ah, et nous, il me fait. Il est heureux. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est des esprits qui parlent en lui aujourd'hui. Il traduit le langage des plantes. Ça là, ça soigne les yeux. Ça soigne les yeux. Tu as une hémorroïde, tu ne peux pas. Tu n'es pas viril. Tu ne bandes pas. À un moment donné, d'être c'est fini. Tu as déjà joué. Comme quoi tu es avec un décro. Elle est sika, elle est quoi, tu sais, un blabla, on sait. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu ne peux rien faire à une femme parce que tu es ridicule au lit. Est-ce que les enfants même que tu as à la main, ce sont tes enfants? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'argent pour donner à d'autres personnes en dehors de toi, de ta famille. Et aujourd'hui il te parle, tu as un problème qui t'arrive là. C'est un homme mon problème, on dit les pour moi. Ah, si tu n'es pas tombé dans le problème, tu as beaucoup d'affaires, toi tu ne sais même pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais bon là mon amour seulement. Confie-toi à Kegebo. Et tu sauras de quoi il est capable. Donc, il y a 50 ans que la moine est née. Enfin, confiez-vous à Kedjebo aujourd'hui. Comme demain, vous serez là où vous êtes. Nous avons pratiquement terminé Kedjebo. J'ai traduit parfaitement, vous le savez. Et les esprits sont là qui me parlent moi-même. Je ne comprends pas. J'entends leur voix. J'entends, je les vois. Dans les feuillages, de partout. Demain, c'est un autre jour. Ça ne peut pas arriver seulement aujourd'hui. Alors, Kedjebo, merci. Pangi te salue. Aujourd'hui, Kedjebo vous a révélé qui est Pangi. D'une manière ou d'une autre, vous savez qui est Pangi. Le bois dur, le noyau dur de tous les bois. Merci, Kedjebo. Pangi, Yoblé. Je suis Pangi. Les enfants, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous avons terminé avec Kedjebo. Ces numéros de téléphone, depuis le début de cette émission, apparaissent.
Mais vous pouvez nous contacter aussi au 09 24 58 76. Et c'est notre groupe WhatsApp pour nous rejoindre dans cette famille, pour assurer et pour promouvoir l'héritage ancestral africain. Monsieur Kofi de la Mauritanie est le chef, pour ne pas dire l'administrateur du groupe. Si vous me contactez, je vous confie à Monsieur Kofi. Il est désormais très célèbre, mieux que moi d'ailleurs. Mais vous pouvez joindre Kegebo au 57 60 11 71 et au 46 90 24 44. Merci de m'avoir suivi.